L'une des nouveautés chez Märklin en HO cette année est la Noab, un diesel belge qui venait parfois jusqu'à la gare du Nord à Paris dans les années 60. Ce modèle est décliné en plusieurs variantes, comme les chemins de fer danois, luxembourgeois, suédois ou hongrois. Sur sa grande maquette de démonstration, Märklin montrait tout l'intérêt des commandes numériques et des possibilités quasi infinies de jeux qu'elles offrent. Avec l'introduction des nouvelles fonctions propriétaires des décodeurs MFX+, Märklin présentait cette année une locomotive à vapeur en HO, dont le niveau de charbon baisse de façon visible dans le temps d'air. Il est ainsi possible de conduire réellement sa locomotive électrique, diesel ou vapeur, en surveillant les cadrans et les niveaux comme sur une vraie machine. Et gare à vous, si vous avez oublié de faire le plein de fuel, d'eau ou de charbon, la locomotive s'arrête en pleine voie, comme en réalité. Restez en contact avec l'actualité ferroviaire en vous abonnant à la chaîne YouTube de Loco Revue et en aimant la page Facebook.